Bonjour à tous, c'est Chikasama. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yo-Kai Watch Phantom Buffy. Donc nous sommes au Mont-Sylvestre, il est en train de pleuvoir, mais c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de tourner le bingo Kai. Donc on y va, on est là, on va utiliser des pièces. Allez, j'active la manivelle. Alors, je vais utiliser une pièce frisson. Allez, c'est parti. Allez, on tourne, on tourne. Qu'est-ce que je vais pouvoir avoir? J'espère un super yokai. Allez. Oh! Oh, Dracunian! J'ai eu Dracunian. Miaoum, pas peur. Dracunian est là. Et voilà, un nouveau yokai, Dracunian. Je sais pas si vous l'avez. Mais moi, il me semble que je l'ai pas, ce yokai. Ouais, je ne l'ai pas. Donc c'est cool, un Dracunian. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous le trouvez super comme yokai ou pas. En tout cas, je suis super contente d'avoir ce yokai. Allez, on va encore tourner. Encore le bingo kai. Tant qu'on peut, on le tourne. Allez, encore une pièce frisson. Franchement, les pièces frisson, j'adore. Allez, même sous la pluie, on tourne ce bingo kai. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Une boule bleue déjà. Et un yokai. Un Raltes! Je ne l'ai pas non plus! Oh là là, c'est la folie! C'est la folie! Que des yokai que je n'ai pas dans mon médaillium! Du coup, ça c'est cool! C'est exactement ce que je veux, moi! Compléter le médaillium! Et du coup, si c'est des yokai que je peux avoir dans le bingo kai, c'est tout bénef! C'est cool! Allez, j'espère qu'on pourra encore en tourner au moins une fois! Allez, c'est cool! Hop! Je vais encore utiliser une dernière pièce frisson! Allez! On tourne ce bingo kai. Et là, j'espère encore avoir un yokai super. Et oui, et oui. Regardez, Nimpégase. Je ne le connaissais pas, ce yokai. Et un nouveau yokai qui va s'enregistrer dans le médaillium. Ça, c'est cool. Nimpégase. Ah, alors. Hop, c'est cool, ce yokai de plus dans le médaillium. Ça, c'est un super tirage. Hein. Un super tirage. Allez. Parfait. Est-ce que je peux tourner encore le bingo kai? J'espère. Eh ben non. Mais bon, c'était quand même un super tirage. 3 yokai que je n'ai pas dans le médaillium. Ça, c'est tout bénef. Donc, est-ce que Dracunian, vous l'avez mis dans votre équipe? Je pense que les deux autres, peut-être pas. Mais est-ce que Dracunian... Alors, parce que comme je ne le connais pas, je vais aller voir s'il est intéressant. En tout cas, je suis super contente de ce tirage. Hein. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Hop, je fais apparaître un yokai, c'est qui? C'est un crampot. Qu'est-ce qu'il me veut, crampot? Ah, mon coup, aïe aïe aïe, c'est toi qui es responsable, tu voles les oreillers. Ah, un combat, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il m'attaque. Hein. En avant. Pas toi. Je pense qu'on peut pas l'avoir. Ah si, on peut l'avoir. Et qu'est-ce qui vous fait gagner? Ah mince. Bon, trop tard. Trop tard. J'ai pas été assez rapide. Du coup, je peux pas avoir de crampons. Ah mais c'est pas tous ces yokai qui apparaissent là. C'est des yokai qui apparaissent comme ça. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais ils sont là. Allez, Damona. Ah bah voilà. Et ben voilà, on a gagné déjà ce combat. Déjà un combat de gagné. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Oh, du calme, je ne voulais pas t'offenser. Je pense que ce n'est qu'un torticolis, ça m'a rendu grincheux. Prends ceci, ok? Et ne va pas lancer des rumeurs. Ah oui, il me donne un anneau horrible. Ok, ben, on aurait pu s'en passer, mais bon, c'est pas grave. Allez, du coup, on va aller chez Bleus Yeux. Non, c'est pas le journal que je voulais. Non, Bleus Yeux, c'est regarder... Non, mais non, j'appuie trop vite. Allez, échanger yokai. Est-ce que Dracunian, il est bien dans le médaillium? Alors, voici les trois nouveaux. Donc, Nimpégase, il bloque les envoûtements négatifs des ennemis. Ah, ça peut être pas mal. Hein. Et il les rend A en plus. Ouais, bloque envoûtement négatif des ennemis. Réaltes, rend C, distrait, grognon, rabat-joie. Ah oui, il a tous les défauts du monde, lui. Peut attaquer un allié. Ah oui, lui, il a vraiment tous les défauts du monde. Franchement, non merci, hein, Réaltes. Tu vas rester dans le médaillium, toi. Alors, Dracunian, vole les PV des yokai voisins lors d'une attaque.
rare. C'est un yokai rare, regardez. Ah oui, non, mais les... Ah ouais, même Raltes, c'est un rare. Par contre, Nimpega, c'est pas un rare. Mais bon, Drakunen, il est rare. Par contre, il vole les PV des yokai voisins. Alors, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous, vous l'avez mis dans votre médaille... dans votre équipe. Allez, c'est parti. Du coup, nous, on va partir faire les quêtes. Par contre, je vais aller chez moi. Je vais faire un petit dodo. Non. Maison des foresteurs. Allez, je vais faire un petit dodo pour que le jour se lève. Et ensuite, on repartira à l'aventure des quêtes. Et voilà, on est chez nous, on fait dodo. Oui, jusqu'à demain. Un gros bâillement. Allez. Ah, ça fait du bien. Une bonne nuit de sommeil. Voilà, c'est déjà fini. On est réveillé, on est en forme pour cette journée de folie qu'on va avoir. Et on va, j'espère, faire le plus de quêtes possible. Alors, regardons les quêtes. Avant d'aller, de continuer les histoires, je pense que je vais quand même me faire des quêtes. Parce que regardez toutes les quêtes que j'ai prises et que j'ai pas validées. Donc on va faire la mascotte locale. On va aller à la tour Excellence pour en terminer avec cette quête. Allez, on prend notre petit vélo et on roule. Non, on peut pas rouler là. Ah, un rendé. Je sais pas si je l'ai, ce yokai. Non, c'est pas de ce côté. Bon. Après, je sais pas si... Non, je pense pas avoir tous les rendés, mais... Ah, c'est qui, lui? C'est... C'est Onisois, ouais. Onisois. Alors, je sais pas si je l'ai, franchement. Et en plus, j'arrive pas à voir, parce qu'on m'a dit qu'on pouvait savoir si on avait déjà le yokai en ciblant. Donc il aime les bonbons. Mais je sais pas si je... Ah bah, je l'ai déjà battu, bon. Mais je sais pas comment voir si on l'a ou pas. Bon, en tout cas, il est pas venu dans notre médaillon. C'est pas grave, on va avancer, on va rouler. Ah, il y a un yokai pas loin ici. Pas loin d'ici. Ah, il fait du skate. Un yokai qui fait du skate, c'est pas courant ça. C'est qui? De qui s'agit-il? Qui est ce yokai qui fait du skate comme les êtres humains? C'est un Tsuchiyama. Tsuchiyama, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous combattre, j'imagine. Wahaha, ce jouet est bizarre. Ce sont des roues sur une planche. C'est d'une étrange simplicité. Les humains créent des choses drôles. Merci de m'avoir montré ça. Tiens. Ah non, il se bat pas. Il nous donne des sushis au saumon. J'adore les sushis. Au saumon, j'adore. J'adore ça. Allez, on continue. Faudrait que je vois... Alors attendez, je vais prendre le vélo. Ça va plus vite. Mais il faudrait que je vois, par exemple, tous les yokai de rang E que je n'ai pas. Parce que bon... Ou de rang D, même... Ah, là, il y a un yokai. Regardons. De qui s'agit-il? Ah. C'est Marconito, ça, non? Et je crois que je l'ai déjà. Alors, attendez, on va regarder. Parce que comme on m'a dit qu'on pouvait voir... Marconito, voilà. Comme on m'a dit qu'on pouvait voir si je l'avais ou pas, il me semble que lui, je l'ai. Et comment on fait la différence entre les yokai qu'on a ou pas? Alors, attendez, regardons. Ah, il y a un truc bleu sur... Bah non, ça c'est son... Je sais pas en fait. Je sais pas du tout comment on peut savoir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein, comment on fait pour savoir si on a le yokai ou pas. Moi, il me semble que lui, je l'ai. Donc j'ai rien eu de spécial. Ah, peut-être que si on peut voir ça, son type, peut-être que ça veut dire qu'on l'a. Enfin, son type, son... Ouais, son... Allez, la tour Excellence est juste là, devant nous. Allez, on y va en vélo, hein. Ah, c'est là. Ah, ça, c'est ce que j'appelle des pas de danse. Mais c'est pas toi qu'on voulait parler. C'est... Timur, ça a l'air d'aller. Timur ?
On dirait que Timur a pris une autre des manies de Kumamon et il a complètement arrêté de parler. Quoi? Pourquoi? Eh ben voilà, ça marche, tous ces yokai le remarquent. Belle danse intense. C'est qui ce gars? Peu importe, j'adore sa façon de danser. Ce gars est très attentif et sa façon de danser est remarquable. C'est génial, Timur! Regarde tous ces fans. Hein? Tu veux me donner la médaille? Et oui, voilà, Timur fait désormais partie de notre médaillum. Ça, c'est cool. Merci, Timur. Du coup, je pense... Voilà, on l'a eu. Parfait, on l'avait pas dans le médaillum. Un yokai de plus encore. Franchement, c'est un épisode où... je crois que c'est le quatrième yokai que j'obtiens. Alors, il ne pourra pas parler d'Ourcival, ni dire qu'il en est la mascotte. Ah, tu as raison. Ah, du coup, il faudrait une petite pancarte, je suis sûre. Eh bien, il a l'air heureux et à l'aise, au moins. Je dirais qu'on a rempli notre mission. Tu dois avoir raison. Et voilà, nous avons terminé cette quête. Votre mascotte locale. Extraordinaire. Eh oui, extraordinaire, Whisper. Parfait, on gagne de l'expérience. Et ouais, j'aimerais bien valider plusieurs quêtes avant d'aller à la bataille et continuer l'histoire. Du coup, là, je vais essayer de faire des quêtes annexes. Poupée de fuite, yeah. Merci, Timur. Donc, une quête de fête. Alors, quelle sera notre prochaine quête? Allez, ectoplasme à l'école. Mes camarades lient les... Ah ouais, mais c'est de nuit. On va essayer de faire ça plutôt. Tiff, on va faire nouveau look. Tiff ne pense pas pouvoir devenir tendance et refuse d'entrer chez Top Spot. Un yokai pourrait l'aider à retrouver confiance. Essayons de trouver Scarlett à la corniche. Ah oui, ça c'est compliqué par contre. On va essayer de trouver Scarlett. Est-ce qu'on l'a pas? Alors attendez, je vérifie. Scarlett, où es-tu petite Scarlett? Ah, pas de réseau, je l'ai pas non plus. Ok. Ouais, lui, je l'ai bien, lui. Ah, Angélique, je l'ai pas non plus. Ah, je pensais que je l'avais aussi. Ah là là, je confonds entre tous les jeux Yokai Watch que je fais, je confonds après. Je sais plus si j'ai ou pas le Yokai. Ouais, ça c'est cool ça par contre. Dracunian. Raltes, tout ça. Alors, je vous montre aussi le médaillum. Hein. Ah, j'ai pas Shipper Pew. Ah là, je pensais que je l'avais. Ah ouais, et non, non plus. En fait, il y en a plein que je pensais avoir et que je n'ai pas. Lulugubre, je l'ai pas. Et Adolfo Jeton, c'est bizarre. Ah, je l'ai pas, je l'ai juste rencontré, en fait. Ouais, c'est bizarre aussi. Sirénée, ok. Ah, lui non plus, je l'ai pas. Oh là là, j'ai rien, en fait. J'ai pas grand-chose. En fait, je les rencontre... Mais ils deviennent pas mon ami. Ah oui, ça c'est les... Ouais, ok. Ah bah, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Du coup, allez, je vais essayer de faire la recherche. Allez, on prend le vélo, ça va plus vite. Ah, ah, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Et comment? Attends, je vais acheter un ticket, tiens. Un. Ticket à gratter. Ok, pièce spéciale, pièce rouge. Ah, on peut gagner plein de trucs. Ah, il faut gratter. Carte chance. Gratter 4 cases. Allez, je vais gratter celle-là. Ok. Et voilà, j'ai de la chance. Quatrième prix, j'ai eu un export de moyen. Bon, bah, c'est pas mal, hein. On va dire. Non, non, non. En tout cas, c'est cool. On peut acheter des tickets à gratter ici. Non, on va pas aller à la gare. On va descendre. Ah, là, il y a un nouveau stand, non? Il y a des stands ici. Ah non, c'est pas des stands. C'est un petit resto. Ok. C'est où que je dois aller déjà? Quête. À la corniche. Et là, je suis où, là? Pas très loin de la corniche, il me semble. Alors, comment on fait pour regarder la carte déjà? Moi, je pense.
pense que je suis pas très loin de la corniche. La corniche, c'est juste là, je pense. Plus haut, évidemment. Allez, on est parti. Ah bah voilà. On est parti vers la corniche. Et on va essayer... Oh tiens, là, il y a un rang B. Et il me semble que Scarlett, elle est rang B. Oh, mais c'est Dédé. Mais il me semble que je l'ai, Dédé. Alors, on va voir, on va voir. Tu as trouvé Dédé. Eh oui, je l'ai trouvé. Il m'attaque, évidemment. Il est pas sympa, il m'attaque. Alors, Dédé, en avant, on te suit. Ah, peut-être c'est l'éclair, là. Je sais pas, j'ai jamais remarqué. Bon, on va voir. Comment ça abandonne? Damona, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que je surveille pas assez. Oh là là. Allez, à multime, hein, on va pas rigoler avec Dédé là, parce que lui, il nous attaque méchamment. Allez, dis-tout. Fureur du chaton. Allez, ça c'est bien ça. Allez, tiens, un coup dans ta face, Dédé. Merci, t'étais sympa, mais bon. Vu comment tu nous attaques violemment, on va pas te faire de cadeau. Allez, la charge. Clé de bras. Paf, paf, pif, pouf, paf. Nickel. C'est gagné. Waouh, des points d'expérience. En veux-tu, en voilà. Bon, on a bien combattu contre Dédé, mais ça serait cool qu'on puisse avoir Scarlett. Scarlilette. Donc, elle est à la corniche. Donc, nous sommes à la corniche, ici. Il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à la trouver. Le truc le plus difficile, quoi. En plus, je sais pas si on la trouve la journée ou la nuit. Là, il y a un rang E. Ah, il y a quelque chose par terre. Un petit export. Et un petit export. Ah là. Bon, je pense qu'elle est plutôt de rang... Elle n'est pas rang E déjà. C'est qui ça? C'est Shapeau. Alors, on va voir. Shapeau, est-ce que je l'ai ou pas? Alors, je veux juste voir comment ça apparaît quand on a un yokai. Alors, vite avant que... Bah... Ouais, j'ai pas trop remarqué, hein, mais bon. On a déjà gagné, hein. Est-ce qu'ailleurs, il y a des pots de fleurs, des bacs à fleurs ou des choses comme ça? Tiens, la résidence, peut-être. Mais comment on y rentre? Ah, par le garage. Allez, est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose dans la résidence? Je savais pas qu'on pouvait y aller comme ça. Je vais faire partie des Next Armiaouni, c'est mon destin. Ah bon? Et toi? Eh madame, devine quoi? Hein, quoi? Je vis ici. Ok. Et il y a une grande pièce pour les voitures en bas. Une pièce pour les voitures? Elle doit parler du garage, non? Ouais, sûrement. Et il y a plein de chats en bas dans la pièce des voitures. Mais ils ne font pas grand-chose, ils restent là à se prélasser. Ouais, c'est bien des chats, ça. Mais je pense qu'il y a autre chose. En effet, il est difficile de parler de chats sans évoquer... Un certain ami Picassiette. Dis Banyan, je crois qu'il y aurait un autre yokaïcha dans son garage. Tu crois qu'il y aurait un autre yokaïcha dans son garage? On dirait bien non. Attendons de voir si elle nous en dit plus.
Après tout, on pourrait se lier d'amitié avec un yokai plus utile. Tu as raison, bonne idée, Whisper. Allez, hop, on accepte sa quête. Dis à propos de ce garage envahi par des chats. Tu as remarqué un truc bizarre, je veux dire, plus que d'ordinaire. Un truc bizarre? Ah, il y a beaucoup de chats. D'accord, ça on a compris. Et parfois ils font wou wou. Ils font quoi? Ils font wou wou. Ou peut-être winou winou. Je ne pense pas que des chats feraient ce genre de bruit. On va devoir aller voir ça nous-mêmes, j'imagine. Ok, allons voir ça au parking du Jardin des Lys. Ça me va, on se fera sans doute des nouveaux amis yokai en route. Au revoir. Allez, on a pris une nouvelle quête. Une nouvelle quête. Et ici, il n'y a pas des yokai, là. Non, il n'y a pas de yokai. Hein. Ah. Ah, on a trouvé un... Je vois un télémire, là, plus bas. En utilisant le mode... Le monde du miroir, on peut voyager n'importe où en un instant. Ok, hop, un télémire de plus. Allez, on descend au garage. Allez, let's go. Ah, 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 y a un yokai ici. Juste là. Mais de qui s'agit-il? Il s'agit d'un chat, c'est sûr. Robonian, regardez qui j'ai trouvé. J'ai trouvé le fameux Robonian. Waouh, il y a bien quelque chose ici. Et c'est un yokai chat en plus. Je ne suis pas un chat, je suis Robonian. C'est ce que je disais, un chat robot. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un yokai. Eh bien, en fait, je pense que c'est bien un yokai robot. Un yokai robot? Et puis quoi encore? Non, ne réponds pas. Mais par contre, pourquoi est-il ici, à ton avis? Je demande ton attention, je viens du futur. Du futur? J'ai été équipée d'une technologie qui peut me faire voyager dans le temps. Mais ce n'était pas ma destination prévue et je me suis écrasée ici. Oh, que s'est-il passé? Je n'avais plus d'énergie tout simplement. C'est tout? Et malheureusement, je suis incapable de bouger. Tu ne devrais peut-être pas dire ça aussi fort. Chika. Je pense qu'on peut demander l'aide d'un yokai. Et pour ce genre de situation, le yokai le plus utile serait... Alors, ma base de données indique que Paraton peut contrôler la foudre. Paraton. Je suis programmée pour fonctionner à l'énergie propre et renouvelable. Il t'a surpassé en un éclair, Whisper. Enfin, au sens figuré. Oui, bon, on cherche ce yokai alors? Ne fais pas ta mauvaise tête, Whisper. On devrait vraiment l'aider. Vous allez vraiment m'aider? Il faut croire. Alors, on peut souvent... On trouve souvent Paraton dans... Paraton, la forme évoluée d'un tonnerre. Et au tunnel abandonné. Impressionnant. C'est toi qui le dis. Alors. Bon allez, je pense qu'on va plutôt faire cette quête. Hop. Celle-là, hop. Au tunnel abandonné. Alors, où est ce tunnel abandonné? Je pense que c'est vers... Ah là, on va pouvoir... Attendez, je vais aller dans la résidence. Et je vais voyager avec le télémire, ça sera plus rapide. Il doit être vers le mont Sylvestre, je pense. Thank you.
Allez, c'est parti. C'est parti. Est-ce que c'est un tunnel abandonné ici? Ma foi, je sais pas. Ah oui, là, il y a un tunnel. Et là, on peut rentrer dans le tunnel. Donc, est-ce que c'est le tunnel abandonné? Ah, c'est là. Et du coup, c'est là qu'on peut trouver... C'est là qu'on peut trouver... les yokai qu'on recherche. Alors, nous recherchons... Oh, mince. Alors, nous recherchons Paratonne. Donc, en tout cas, Antonnerre, c'est un yokai qu'on peut avoir que dans Yokai Watch Phantom Buffy, apparemment. Donc, je sais pas vous, qu'est-ce que vous pouvez avoir dans Farfeur. Allez, il est là, là, s'il te plaît. S'il te plaît, Antonnerre, viens dans notre équipe, s'il te plaît. Oh là là. Il est que rendé, en plus. Et on galère, on galère, on galère. Ah, un niveau supérieur pour Focapa. Des sushis. Oh, oh non, oh non. Regardez qui devient ami avec moi. C'est pas de réseau, ça fait la deuxième fois. Allez, non. Oui. J'accepte pas. Voilà, il a le cœur brisé. Bah oui, bah c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je veux ton pote. Je te veux pas toi, moi. Je veux ton pote. Antonnerre, mais c'est incroyable. Pas de réseau, ça fait la deuxième fois qu'on a mis. Allez, hop, on accélère. Je vous le dis, les amis, ça fait là 35 minutes. 35 minutes que je galère pour avoir Antonnerre. En fait, c'est par... voilà, il faut avoir Paratonne, mais Paratonne, c'est l'évolution de Antonnerre. Donc, du coup, il faut que j'ai absolument Antonnerre. Mais c'est incroyable, il veut pas venir. Il veut pas venir, celui-là. Et on peut le trouver qu'ici, dans le tunnel. J'en veux pas des poumons et des pas de réseau. Et voilà, un tout mou qui devient ami avec moi, mais je veux pas de toi. Ben oui, on accepte, mais bon, est-ce que je l'ai lui, tout mou? Ah, ben voilà, un nouveau yokai dans le médaillon. Mais bon, c'est pas lui que je veux. C'est toujours comme ça. C'est tous les autres yokai, ils acceptent de devenir ami avec moi, mais celui que je veux absolument, eh ben il veut pas. Il veut pas. Oh là là. Ah, il y a encore des Antonnerres, là, il y en a un. Et voilà, toujours pas de Antonnerre. Parce que, en plus, même si j'arrive à avoir Antonnerre, il faut que je le fasse évoluer en Paratonne. Donc là, c'est quand même long. Hein. C'est long. C'est long, c'est long, c'est long. C'est long, 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 long. Et en plus, il est que rendé. C'est ça, c'est fou. Mesdames et messieurs, au bout de 45 minutes, je n'ai toujours pas Paratonne. Enfin, Antonnerre. Toujours pas de Antonnerre. Laisse-moi.
un par un en tonnerre. Ah, trois même. Trois en tonnerre. Et ouais, mais du coup, j'ai rien à leur donner, moi. Ça, c'est daikon à la vapeur, c'est des plajaps. Je leur donne des légumes, à mon avis, il va détester. Allez, s'il te plaît, en tonnerre, un tiens, deux, un bec, allez, en tonnerre. Là, il y en a trois, vous voyez. Trois, mais trois qui ne veulent pas être amis avec moi. Allez, s'il te plaît, Bitou, Toutoui, Babalance, Tandino, Dibanyan. Soyez gentils avec Antonner qui deviennent amis avec moi. Ça suffit là maintenant. Allez, au bout de 45 minutes. Oh, oh, regardez, enfin, au bout de 45 minutes, Antonner qui approche, enfin. Bah alors là, lui, j'aurais galéré. Waouh, c'était électrique, je peux être ton ami? Bah oui, 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 ça fait longtemps que je te cherche, toi. Merci. Antonner est désormais ami avec moi. Ouf, j'allais dire ouf, parce que ça fait 45 minutes quand même. 45 minutes. 45 minutes de chasse, de poursuite et tout. Il est enfin là. Mais bon, c'est pas pour avoir Robonian. C'est encore long, puisqu'il faut qu'il évolue. Et je sais pas encore à quel niveau il évolue. Donc voilà, c'est déjà bien. Il est déjà ami avec moi. Je dis un grand ouf. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos avis, vos conseils. Ce que vous avez pensé là de... Bon, j'ai pas mis toute la chasse de paratonnerre... de antonnerre, pardon. Parce que c'était très long. J'ai coupé. J'ai mis... voilà, j'ai mis une fois, je pense. Du coup... Donc voilà, on va se retrouver très très bientôt pour un prochain épisode. Mais en tout cas, en attendant, je vous dis bye bye.